Salut à tous, c'est le retour, donc j'espère que vous allez bien. Donc là on est en confinement à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc j'ai pris le temps de repréparer un PC pour pouvoir commencer l'ouverture, faire des vidéos et vous montrer un peu plus de contenu que cette année on va dire. Parce que ça fait presque un an là que j'ai pas tourné de vidéo. Bon, ça fait du bien quand même de pouvoir pêcher sans avoir le problème des batteries, de remettre en charge, après l'ordi qui plante et tout ça. Là du coup, avec tout ça, maintenant on est prêt, on va dire, pour commencer la saison. Donc j'ai le PC qui est tournant, on va dire. Donc il est pas exceptionnel, mais bon, on va prendre le temps pour faire les montages et puis ça devrait y aller. Donc comme vous avez vu déjà, j'ai déjà fait l'intro. Je l'ai un peu remodifié, le logo je l'ai rajeuni, on va dire. Donc on va prendre le temps ensemble d'évoquer les changements donc qu'il va y avoir sur la chaîne. Donc c'est pas grand chose hein, ça va être surtout de la pêche. Mais d'où il y a des mouettes? C'est cru à la mer elle. Alors donc je disais, on va parler des choses qui vont arriver sur la chaîne. Donc déjà en nouveauté, donc déjà j'ai créé un site sur un autre site, on va dire, un site de vente de vêtements, donc sur Teespring. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc ça s'appelle Fishing World. Donc c'est simple, j'ai fait pas mal de petits vêtements assez simples qui passent partout on va dire pour aller à la pêche ou pour tous les jours en fait. Donc il y a du pull, des sweats capuche, des t-shirts, des leggings pour les filles en principe. Il y a quoi d'autre? Des chaussettes, des tasses et après je vais faire des coques de téléphone, iPhone et Samsung pour l'instant. Il n'y a que ça de dispo. Et on va voir. Donc voilà. Après, c'est avec une marge minime. Je vous le dis tout de suite, franchement. Si je mets une marge le plus bas possible, donc on va dire que je me fais grand maximum à 1,50€ par objet vendu. Mais bon, le but, c'est surtout de pouvoir promouvoir l'esprit de la pêche bah, sur nous, quoi. On aime bien avoir. Tu vois, bah, je sais pas vous, mais moi, quand je vais à la pêche, j'aime bien avoir ma tenue de pêche. Et quand même qui est un peu de style, ou même quand je vais dans des petites soirées comme ça, j'aime bien avoir mon t-shirt qui rappelle la pêche, et puis bah tu rencontres des pêcheurs, et puis voilà. Et donc avec les bénéfs, du coup tout ça, ça servira, bon ça va mettre du temps, parce que ouais, pour 1,50€ par truc, ça voilà quoi. Mais avec les bénéfs, je vais en profiter pour pouvoir acheter une caméra plus performante, parce que celle-là, elle est bien en performance, mais... L'optique est rayée, donc c'est un peu chiant. Je sais pas si vous avez remarqué sur les dernières vidéos, on voit un petit peu de flou au milieu, donc c'est un peu chiant. Donc faut que je corrige ça. Et peut-être un drone pour pouvoir faire des plans, mais ça fait déjà au moins 3 ans que je cherche à acheter le drone. Mais bon, je veux pas y mettre 500€ dans le drone et en sachant que les temps de batterie sont courts. Donc voilà, ça commence à. Ça pique après quoi. Il y a. Alors dans les nouveautés, donc. L'ouverture du site, comme je vous ai parlé précédemment, qui me permettra du coup d'acheter ce qu'il faut pour continuer les vidéos avec du temps quoi. Donc voilà. D'ailleurs, si le site bah, il vous plaît ou vous voulez en partager, bah, vous hésitez à le faire partager à d'autres personnes. Vous n'hésitez pas, vous le partagez sur Facebook, sur ce que vous voulez. Voilà. Et par la suite, j'arriverai à faire des codes promo en plus. Donc ça peut être que bénéf pour vous et tout ça. À part le site, du coup, on va attaquer donc la nouvelle saison. Donc là, je pense, bah, je sais pas, personne sait, on va dire, que l'ouverture sera sûrement à quelque chose près, comme les dates prévues, dernier week-end d'avril, c'est prévu. Donc à l'heure actuelle, on va le savoir ce soir s'ils rajoutent 2 semaines ou 1 semaine. Ou... Bon, je pense qu'ils vont rajouter 2 semaines. Donc à mon avis, on devrait tomber. Et ça devrait être la fin, logiquement, hein, par rapport aux autres pays. Ça devrait être la fin du confinement. Donc à mon avis, soit le carnassier va ouvrir à la date réelle, soit la semaine d'après. Mais je pense que ça va jouer 1 semaine ou 2. Ça devrait être dans ces eaux-là. Et donc pour ça, je vous ai. Donc là, je suis au bout de ma cour. Hein, pour ceux qui pensent, je suis pas parti à la pêche. Hein, je suis dans ma cour. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Alors là, il y a la rivière. Donc, comme on voit là, les nénuphes commencent déjà à pousser là. Donc, on est déjà bien avancé.
Les nénuphs commencent à pousser. Les basses commencent déjà à être en surface. Donc c'est pas plus mal, hein. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir feuiller un peu plus tôt. Donc ça évitera les casses, on va dire. Même si chez nous, il ouvre en juillet. Et puis dans l'étang juste à côté de chez moi, là, les basses ont les yeux rouges et sont déjà sur les bords par couple. Donc la fraie va se faire, je pense, d'ici moins d'un mois, ils auront fini de frayer, à mon avis. C'était une petite vidéo, peut-être un peu chiante, mais bon, histoire de vous re-expliquer tout ce qui va se passer et comment on va avancer. Donc ça va être simple. Moi, je vous refais une vidéo prochainement. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour l'ouverture. Les spots à promouvoir. Donc il ne faudra pas hésiter. Voilà. Mais les vidéos vont sortir rapidement, hein, vu qu'on est en confinement. J'ai le temps de les tourner, donc je vais en profiter. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Et n'hésitez pas d'aller voir le site.